Salut! Comment ça date les sketchs? Waouh! Vraiment ça date. Hein. C'est une dinguerie, on dirait que ça fait 5 ans que j'en ai pas fait. C'est incroyable, mon setup il a pas changé. D'année en année, ça se dégrade. C'est fou quand même. Bien quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un sketch. Bon, je sais, vous avez vu le titre et tout sur la Saint-Valentin. Vous allez sûrement vous dire, ouais, il est à la bourre en fait, c'était il y a 2 jours. Oui, je sais, mais comme je poste le mardi, je voulais pas la poster le dimanche. J'ai l'air un peu défoncé, non? Je reviens du sport en fait. Je vais éviter de vous raconter ma life, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Ah ouais, non, c'est dingue. À toi, il y a qui derrière? Moi, je suis dans ma chambre, il y a mon frère, je vais l'appeler, mais vas-y, t'inquiète, il me calcule. Eh, tu sais quoi, dès que les frontières s'ouvrent, on se taille. Mais qu'est-ce que tu parles de vacances, toi? T'es là, je fais le canard au téléphone là. En plus, je parlais qu'une fille. Nous, tu nous as jamais en vacances. Je vais t'emmener, ton gros crâne. Moi, je t'emmène pas, toi. Ok, t'es sûr? Je vais te balancer. T'es là, tu parlais avec des filles là. Mais nous, ton problème, et alors? Balance. Moi, j'ai une vraie meuf. Toi, tu crées tes personnages sur Fortnite, après, t'es amoureux d'eux. Tu veux me plaire? Ok. Personnages sur les jeux vidéo. Je balance à maman. Mais en fait, tu vas balancer à qui? Mais je vais balance, tu vas voir. Mais balance, tu vas voir. Tu vas rien faire. Attends, s'il te plaît, je vais régler un problème. Ça ouf, lui. Eh, tu balances, je te wette. Y'a rien qui va dans cet appartement tout pourri. Je tiens les murs avec du scotch. Ah, du scotch. Y'a rien qui va. Maman. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu montes ici? Tu vas où tu montes, Robbie? Oui, t'as l'air. Ah, où tu vas là? Mais c'est quoi? Fais attention, t'as failli me tuer là! En fait, il est en train de parler dans la chambre avec une fille. Et laisse-le! Avec une fille alors? Il a dit quoi? Il a dit ouais, je vais l'emmener en vacances. Attends, je t'emmène à Punta Cana. Thaïlande. Bah, c'est l'éducation. Il nous a jamais ramené nulle part. Je lui ai dit ça. Il me ramène la scène de Nip la plaine, il me dit voilà, cours dans le parc. T'as vu? Il fait déjà sa vie à son âge, il est même pas marié. Je l'ai balancé à son père. Vas-y. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu fais chauffer? Papa, il va entendre. Eh, c'est pas ma meuf, c'est une pote, c'est toi, t'es un menteur. T'as une meuf? Tu déclares pas? Il fait des bails en zoom. Faut arrêter de le croire, lui, c'est un manipulateur. Vraiment chien de la casse. Et tu vas te marier, tu pars avec elle en vacances. Je suis choquée. Tu fais le mariage, tu me tords. Toi, tu crois que je vais me marier tout de suite ou quoi? Ah, je suis choquée. Ton fils il fait la vie alors quand il a une meuf. Les conquêtes. Laisse-les vivre. Moi il a une goubine. Belle et la plus belle. Bah moche comme toi. Les rares. Moi je suis moche. Moi je gomme les gars. Ta gueule, t'en as un chien, t'acceptes pas. Carme, là t'as de la chance, t'es toujours pas abandonné, t'es encore ici. Là il fait froid. Dès que les beaux jours arrivent, tu prends tes clics, tes claques et tu t'es moche. J'ai rien à foutre, j'ai rien à entendre. Des moches. Balance la suite. C'est ma vie privée. My private life. My private. Ah. Parce que de balance, pourquoi tu me balances? Pourquoi tu me balances? Pourquoi ici? Tu me balances? Pourquoi tu me balances? Pourquoi tu me balances? Pourquoi tu me balances? Y'a quoi? Mais tu vas voir, vas-y, je te retiens. Mais c'est un bon lui. Tu sais ce qu'on va faire? C'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça va? Ramène-la. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire de la D. Pourquoi on dit de la D? Tu veux que je la ramène ici? Ramène la dame, on va en discuter. Arrêtez de dire de la D, s'il vous plaît. Essayez pas de contrôler ma vie, hein, ok? Je la gère comme je veux. Elle est déjà assez compliquée, vous voulez rajouter des problèmes. Quand je vais la ramener ici, fêter la Saint-Valentin ici avec des fous ici comme ça là. Je vais le boxer! Contrôlez-moi. N'importe quoi, arrête déjà de la D. Je chie par la bouche lui. T'as fait quoi avec mon téléphone toi? Rien, ouais, j'étais bizarre. Je touche pas mon téléphone. Regardez-leur. Toi tu pars en cacahuète, vas-y, va faire internet, va manger du caca. Moi je vais manger du caca! Elle parle de moi! Moi j'arrête de parler de toute façon. Comment ça passe? Aujourd'hui je la vois. On va faire une Saint-Valentin pour de vrai. C'est bon, j'envoie un message. Alors c'est bon, ça passe. Oh, c'est bon. Arrête, oui, ça fait mal. Tiens, quoi, tu frappes fort comme ça? T'es trop fragile, trop fragile. Ah, oui. Sois un homme, un homme. Ah, ouais, on prépare toute la salle, on prépare toute la soirée. Tonight is the night. Allez. Ah, on est à Opéra Sacré-Cœur. Il joue sur Fortnite, il est amoureux d'y jouer. Et j'entends amoureux d'y jouer, il est amoureux d'y jouer. Mais vous faites quoi là? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Et on prépare la soirée? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oui, t'inquiète, on va la rencontrer ce soir. Tu vas la rencontrer ce soir? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Il est pas content, je suis en train de lui faire le restaurant 5 étoiles. Mais de quel 5 étoiles tu me parles? T'inquiète, je gère, allez, casse-toi là-bas, va mettre une chemise. Tu pues la conflit. Et quelle heure? 7h30, dans 30 minutes. Quand la terre, mets ta chemise, mets, bientôt l'heure. C'est ma
Happy birthday. Qu'est-ce que tu racontes pas? Que c'est pas l'anniversaire, c'est dîner aux chandelles. Ma Saint-Valentin que t'oublies chaque année. T'inquiète, j'ai bon courant, t'as rien dit à moi. Viens, dis happy birthday. Mais casse-toi. Y'a pas de Saint-Valentin pour toi, va te faire chier. Ah, dormeur sur patte, il est. Ma petite fille, elle est magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans mon château. Laisse pas ton père, il va la draguer. Vite, vite, va à la rescousse. Il drague les jeunes filles. Je vous emmène votre manteau. Attends, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Arrête, lâche. Lâche quoi? Pourquoi tu l'interceptes comme ça? Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Espèce de gros pointeur. Parle pas mal comme ça. Va dans ta chambre, tu m'énerves. Excuse-moi. C'est la fille, c'est la copine de mon fils. Va dans ta chambre. Je veux gérer la copine des jeunes filles. Il est marrant, ce prince. Je prends ton manteau. C'est mon père. C'est pas grave, je t'en prie, merci. Rentre. Ça nous a gênés. T'as dit où la fille? Bienvenue, mademoiselle. Alors, votre prénom? Je m'appelle Jeanne. J'adore. Dis alors. Installez-vous. Excuse-moi pour cet accueil. Non, ça va. Mon père, je crois qu'il t'a... Ouais, il est un peu drôle. Il est drôle, ouais. Et ma mère, elle t'a dit or. Installe-toi. Merci. J'espère que tu kiffes. Ouais, franchement, trop belle la table. C'est un peu à l'air mythique, mais. Non, franchement, c'est trop bien. Moi, je voulais partir là, la vraie. Il m'a dit. Ouais. Trop beau. Ensemble. Ah ouais, c'est tellement bien. Que toi et moi. Hôtel, tu comprends. Un peu l'oasis. Désiré. Ouais. La plage. Ah ouais, putain. Ouais. On laisse la bouteille. On va aller. Ils sont mignons, regarde, ça se voit, ils l'aiment. Elles vont bien ensemble. Il est piqué. Je crois qu'il est lion. Sans sur elle. Tiens, prends les plats. Allez, voilà. Tu donnes ça et tu me dis qu'est-ce qu'ils en pensent. Vas-y. Ok. Normalement, ils adorent. Hein. Normalement, ils adorent. En tout cas, j'espère que les plats, tu vas kiffer. Je vais mettre tout leur amour dedans. Et prenons tout ça pour toi. Uniquement pour te faire plaisir. Thank you, Jeff. Tenez. Accompagné de sa mini pizzetta. Merci. Regardez-vous, bon appétit hein. Super, franchement tu vas adorer, c'est très bon. Mais c'est quoi ça? Quoi? Mais t'es sérieux? Oui, mais tu me respectes pas là. C'est peut-être moi je me déplace pour manger des pâtes. C'est des pâtes au beurre, wesh. Mais j'ai pas besoin, mais un dîner aux chandelles. C'est pourquoi tu grandis? Pas du tout, c'est sec, c'est caoutchouc. Mais si, je te jure, regarde, goûte. Non. Mais je te jure, goûte. Mais non, j'ai goûté, c'est pas bon. Ah, c'est pas ouf. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse? La chef, elle est virée. Oui. Mais t'es malade. La chef, elle est virée, tu lui diras. Maman. Je l'ai entendu. Elle aime pas le ketchup. Elle aime pas, je fais la poussée. Toi, t'aimes pas mes plats. Ah ouais, mais c'est comme ça, c'est lui là. Et l'autre connard en face, il veut me virer. On vire la chef. Je vais les boxer. Calme-toi, arrête de faire la savée. Tu n'es pas sauvage. On va voir si j'en connais encore. On va voir. Excuse-moi, parce que on va s'entraver pour le dessert. Non, mais super. T'inquiète pas, je te jure, je vais m'entraver pour le dessert. Dessert. Je fais que claquer du beau, ton truc. Ah ouais. Tenez. T'aimes bien? Ouais, super. Il est beau, hein? Ah ouais, magnifique. T'as fait comment? Ah, t'inquiète pas. Il y a une boulangerie à côté, elle, franchement, elle fait des gâteaux pas mal. T'aimes bien? Mais tu peux leur mettre deux assiettes, s'il te plaît. Non, déjà, tu critiques. Non, tu vas pas parler. Tu manges dans le plat directement. Ok, t'auras pas de pouvoir, casse-toi. Je pense. Écoute, mange. Serre-toi comme ça, direct. Encre. Ouais. Ouais, trop bon. Incroyable. Délicieux. Comme toi. Ah, attends, deux petites minutes, j'arrive. Okay. J'arrive tout de suite. Ah, non. Putain, j'ai pas pris de cadeau, putain. Qu'est-ce que je veux pour lui offrir? Y'a rien. Faut même pas que ma mère elle me crame, si elle me crame, je suis foutu. C'est bien ça. Elle a kiffé, ah, c'est bon.
excuse-moi. En tout cas, écoute, c'est la Saint-Valentin, donc qui dit Saint-Valentin dit petit cadeau. Il fallait que je tente quelque chose de symbolique qui compte pour moi et te prouver finalement mon amour. Donc voilà, je t'ai pris ça. C'est un petit collier, franchement, c'est... je l'ai acheté dans une boutique de luxe. Et voilà, franchement, très beau. Sérieux? Mais t'as vu comment il est éclaté? Un chocolat comme ça? Mais t'as le même. Alors le dessert les aimes? Ouais, le dessert je les aime, c'est bon. Bon, je lui dis arrête de faire ça, t'es pas son chien. Ouais, mais comme je lui dis, mais il va faire un cadeau. Il va faire n'importe quel cadeau, il va faire un bijou à toi. Ah ouais, toi t'es compliqué toi aussi. Mais non, mais quand même, fais un effort. Je sais pas, un collier Hermès. Hermès? Bah ouais. Tout bijou à moi. Ouais, tout à l'heure il a les deux. Ça depuis tout à l'heure, critique, j'entends, elle dit c'est quoi ce bijou de Darren? Je vais la boxer. Comment tu parles toi? Espèce de clochard, t'offres mes bijoux, t'as pas honte? Tu me dégoûtes. Et toi comment tu te permets? Tu dis c'est un bijou d'Ali Daron. Mais aussi il a pas à m'offrir ça. C'est un collier Daron. Aucun okay, respect. Sous mon toit il y a une critique en plus. Je suis chiant. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais t'as vu ce que... Non mais c'est... Mais ne pars pas, la meilleure celle-là. Non mais sinon ça va marquer. En plus c'était pas bon, vous savez pas cuisiner. Moi je t'ai pas cuisiné. Allez casse-toi. Je t'ai mis une patate, je t'ai mis une grande chouk-chouk. Allez bah, dégage. Ouais, moi je sais pas cuisiner. J'ai plus d'air ici. L'autre il va faire sa crise. Voilà, il commence à piquer sa crise. Ah, je savais. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Eh, écoute, fais-moi confiance, je te ramène le fil d'Algérie. Sans problème, sans rien, tu lui mets couscous. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ah, ça fait crise d'épilepsie. Tu me fais stresser ici. Je vais te boxer, tu vas voir. Elle m'a gâché ma soirée. Elle organise des soirées pour qu'après elle les rate. Oui, on a tout gâché. On est des ennemis. Allez, casse-toi. Des histoires qui se terminent bien, c'est pas mon truc. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous avez fait quoi pour la Saint-Valentin? Dites-moi en commentaire. Qui est en couple, qui est célib, c'est comment là? Il faut faire un historique, ça en est où? Ça en est où dans votre life? Dites-moi tout en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao. Va manger du caca, elle me parle de, Saint-Valentin. Je suis dur. La pierre.